Aujourd'hui, nous sommes au salon Logismed. Tangemed y est très présente. Pourquoi ? Parce que d'abord, Tangemed est aujourd'hui le premier port au Maroc en termes de tonnage. Nous traitons plus de 52 millions de tonnes par an. Aussi, le port Tangemed pour l'import-export est devenu la première plateforme marocaine utile à toute l'industrie marocaine, qu'elle soit dans l'agriculture, dans le textile, l'aéronautique et l'automobile. Le port Tangemed aujourd'hui est devenu important. Il a à peine une dizaine d'années opérationnelles, mais il a beaucoup avancé ces dernières années. Et nous sommes déjà arrivés à une capacité assez importante en termes de conteneurs. Nous traitons plus de 3,5 millions de conteneurs, alors que notre capacité est de 3 millions. Nous allons vers les 9 millions de conteneurs à partir de cette année, ce qui nous positionne déjà aujourd'hui en tant que premier port d'Afrique, 45e mondial sur les 500 ports du monde. Et dans l'avenir, nous allons probablement passer dans le top 20 mondial en termes de ports et de capacité. Notre présence aujourd'hui au Logismed est importante parce que c'est un salon de logistique qui réunit la plupart des sociétés qui sont dans la logistique et au Maroc et à l'étranger. Donc c'est un moment convivial pour rencontrer des clients, pour expliquer l'offre Tangemed, pour attirer des investissements à Tangemed. Il faut rappeler aussi que Tangemed n'est pas uniquement un port, c'est aussi des zones industrielles sur lesquelles plus de 2000 hectares sont déjà opérationnels avec à peu près 800 entreprises et plus de 70 000 emplois. Donc toute cette valeur de Tangemed est mise à disposition de la communauté marocaine pour leurs imports et exports. Principalement, on souhaite développer l'export étant donné que Tangemed est connecté à 186 ports dans le monde, plus de 80 pays. Donc cette connectivité elle est mise à disposition des Marocains pour les exports, mais aussi pour leurs imports en cas de matières premières. Et nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour rencontrer nos clients et faire bénéficier cette plateforme à l'ensemble de la communauté logistique. En ce qui concerne le deuxième volet du port, il y a la zone franche logistique, MedHub, qui devient avec le temps un vrai succès. Nous sommes aujourd'hui près de 70 clients dans la logistique, avec des noms assez importants comme Decathlon, comme Timar, SGL, Huawei, Adidas, et puis d'autres qui vont s'installer très prochainement. Et nous sommes ravis d'être là pour rencontrer nos clients et continuer à développer cette très jolie plateforme.